bonjour et bienvenue sur ChemDev Tycoon. Nous sommes dans des nouveaux bureaux, les locaux de Cazoulette Gaming. Alors, nous avons maintenant plus de place dans l'équipe. Le nouveau bureau est également proche de certaines universités renommées qui nous donnent un accès facile à de nouveaux talents. C'est exactement ce qu'on va faire puisqu'on va recruter un technocrate. Voilà. Voilà, nouveaux entraînements sont possibles. C'est parti. Alors. À partir de maintenant, sont disponibles les labos R&D qui seront placés là. R&D qui sera placé là. Et le développeur de console qui sera juste par là. C'est cool. On va pouvoir développer leur propre console. Et développer surtout, ce qui est exceptionnel, nos propres. Nos propres petits consoles et jeux et conférences. Voilà. Waouh, ce nouveau bureau est incroyable. En plus, il est parfaitement situé. J'ai la bonne autre bâtiment. J'ai une ressentie de révolution. Pour ouvrir notre porte département de recherche et développement. C'est vrai. C'est blablabla. J'ai fait de recherche. Là. Donc, en gros, on va ouvrir notre propre labo de recherche. C'est ce qu'il est en train de me dire. Bon. Il m'en parle. Donc. 130 000 fans. Aventure Even Rising. Ouais, faut qu'on sorte un nouveau jeu. Alors, d'abord, je vais m'occuper des choses là. 300, c'est pas suffisant. 480. 700. 700, j'achète. 700, j'achète. Et bande de démons. C'est parti. 700, c'est suffisant. Pour faire. Pour avoir la spécialisation de technologie. Et pouvoir se faire un max de blé. Du blé? Oui, mes amis, du blé. Donc, machin ne se vend plus, il va vraiment falloir. Blablabla. Des gros contrôles étaient développés. On va essayer de sortir un nouveau jeu là. La Mbox, nouvelle plateforme de jeu. Ça va, on est quand même la place. 300 c'est de la merde, 400 c'est pas mal, 600 c'est pas mal, 275 c'est de la merde, 719, tu es engagé, Pauline Zobeck. Oh, je suis Pauline Zobeck. Bon, maintenant il va falloir 100 points de recherche, donc du coup. Est-ce qu'il faut leur accorder un congé? Oui, effectivement. Un congé. Et non, lui, c'est juste de la fatigue. On va pouvoir sortir un nouveau jeu quand ils reviendront, parce que il serait temps. Tu vas peut-être te former, toi. 30 points de recherche, cours de design. Ah ouais, quand même. 30 points de recherche. Juste en attendant que les autres soient bien, hein, soient revenus, on va faire un petit truc de technologie, là, code. Après, on va pouvoir s'ajouter le boost. Et voilà, enfin, maintenant, on va pouvoir développer des... On est arrivé au maximum de ce qu'on peut arriver au niveau locaux. Mais maintenant, les jeux vont sortir à des milliards d'exemplaires. J'exagère peut-être un peu. Bon, pas des masses. Mais j'ai toujours pas un congé. C'est parti, hop. Le petit offre d'édition là. Oh non, on se développe un petit jeu. Quoique cuisine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait un GeoGebra. Gouvernement simulation. C'est parti. GeoGebra. Oh, le jeu de mots. T'y attendais pas. C'est nul. Alors, c'est quoi du... Simulation. Alors, simulation, alors, on s'en sort sur PC, hein, on se fait pas chier. Bluff. Donc, prochaine recherche, maintenant qu'on a des boss, c'est sortir des méga-jeux. Donc, du coup, hop, PC historique, on s'en fout, et moteur, on va monter. Donc, maintenant, là, avec tous ces petits gens, ça va se construire à une vitesse... Ça va s'améliorer à une vitesse. Vous allez pas pouvoir. Vous allez pas en revenir. Vous allez peut-être en revenir. Merci d'avoir accordé un peu de temps. Les points de recherche qui vont monter super vite. On va pouvoir. Maintenant, on est arrivé dans la rush finale de notre aventure.
Vas-y, recherche, mon petit. Bon, du coup, on va balancer eux, là. On s'en fout, et ça, on balance. On va balancer celui-là, là, sur du graphisme. Celui-là, sur le design, là. Et... Yes. Oh, je vais faire ça aussi. Mec, surbooké. Je suis overbook. Maître, il semble qu'on a volé les informations de 4 crédits et les utiliser pour beaucoup de choses ces 3 derniers mois. Nous avons perdu 95 000. Oh, j'ai cru qu'on avait perdu 95 millions pendant un moment. Dis que là, je suis dans la merde. Je suis dans la caca économique. C'est à peu près ça, Stéphane. Ouais, grand stand. On s'en bat les couilles. Allez, Joe, j'ai bras. Gorgeux. $51,000 par mois. En original. Du coup, là, on va pouvoir faire des recherches. Cinématique avancée. Cherche. Ah merde, multigenre, lecteur de. Bande originale. Joe, j'ai bras. L'accent mis sur la partie intelligence artificielle a très bien servi le jeu. J'ai hâte de voir la suite. J'ai joué pendant des jours. C'est génial. J'ai bras. Gouvernement simulation font une super combinaison. Voilà, on va sortir des bons jeux maintenant. À nous le pognon. Le pognon. Le pognon, il monte. Il monte, il monte, le pognon. Allez, 419 000. Gros jeu. Ah. Voilà enfin qu'ils arrivent. Bon voilà, Dreamvast s'arrête, Sega aussi. Merci. Fais un petit rapport. Pendant qu'on embauche une autre personne, démo complexe cette fois. Démo de jeu, comme ça on a une dernière personne, un peu des deux. Un gros niveau, on va pouvoir sortir des jeux de ouf maintenant. J'espère que j'y recrute pas trop et que je m'emballe pas trop, mais bon, normalement ça devrait aller. Bon, on vend un peu moins d'exemplaires, mais on se fait beaucoup plus d'argent en même temps. Hein. Niveau 2, niveau 4, niveau 4, niveau 4. C'est très bien ça. Bonjour Stéphane. Formation nouvelle. En congé lui. En congé maternité. Disque de platine. Oh, l'argent qui monte. C'est parti. On va faire. On va voir s'il y a des gros royalties. 8%, 11%, 13%. Mais bon, cinéma stratégie, c'est nawak. Je suis de cinéma stratégie. Alors, voyons voir. 32 points de recherche. Allez, on va développer un nouveau jeu. Nouveau thème, alors. Je sais pas, beaucoup de thèmes. Oh, Animal Virtuel, ça fait longtemps. Un petit LGDC. Stratégie. Casual. Après, on fera des gros jeux, hein. Ne vous inquiétez pas. Casual. Game Boy qu'ils ont toujours. Game Boy, non, Game Boy. J'en sais rien de casual, du coup, je vais peut-être pas sortir casual, mais plutôt RPG. RPG animalier. Un jeu d'aventure. Un jeu de stratégie. Un jeu d'action. Animal virtuel. Pff, c'est du casual, ça c'est sûr. Bon, mais c'est pas grave, on va sortir ça sur Game Boy, on se fait pas chier. Plaf. La Game Boy qui est sortie depuis 10 milliards d'années. Bon, c'est sûrement la Game Boy plus Advance que la Game Boy. Voilà. Casual, j'en sais rien de ce qu'il faut faire. Mais bon, sûrement un gros gameplay.
Vraiment pas d'histoire à quête. Un bon moteur aussi. Ouais, on va faire ça, ouais. Ah, c'est le problème, j'en sais rien du tout. La PlayStation retirée du marché. Hop. Dialogue, pas moi, intelligence artificielle. Bon, c'est des animaux, il faut qu'ils soient pas cons quand même, hein. C'est des animaux, faut qu'ils soient cons, connard. Ah bah ouais, t'as raison. Mais t'as carrément raison. Rendez-les cons tout de suite. Pas de problème, Stéphane, je suis au bout du fil. Bon. Arrête de parler tout ça. Du coup, le graphisme, c'est toi qui vas dans le cul maintenant. Vous allez voir, on va sortir des gros jeux, ça va plus être la même. Nintendo annonce aujourd'hui sa nouvelle Nivento Gamesphere. Gamecube qui est devenu la Gamesphere. Une sale tête, hein. Qui aura pour rival la reine des rayons de Sony, la PlayStation 2 et sa sérieuse alternative, la Xbox de Microsoft. Cette console, aux formes inhabituelles, dispose équivalent d'un équipement similaire aux autres. La Gamesphere est la première console de Nintendo à procéder de lecteur optique au en lieu et place des cartouches. Toutefois, vous utilisez des CD et des DVD de taille standard, de taille normale, à l'instar de ses compétiteurs. La console est équipée de lecteurs mini DVD. Les Gamesphere débouleront en magasin les mois prochains. La Gamesphere qui déboule. Elle déboule. C'est congé, c'est ça. Boule de Gamesphere, des boules. Aujourd'hui, la Gamesphere des boules. Des boules. C'est bon. Allez-vous deux en congé là. Congé maternité. Ils sont tous des enfants, ces pauvres. 3D, graphisme 3D, 8-4. Je peux pas m'arrêter moi. 3D, 8-4. Et du coup, je vais pas pouvoir faire les nouveaux trucs. Bon, je sais qu'il est énorme, mais c'est juste comme je fais de la merde. Bah, il est pas mauvais. J'aime. Un multigenre. Dans le général, les gros jeux, merde. C'est pas ça que je voulais faire. Dégage! Ah, c'est de la merde. Quoi? Quand on parle d'une merde. Ok. On va rechercher des gros jeux. Ouais. Ouais, décevant Gamesphere. Wow, cette accélération. Allez, on va faire un petit moteur. Lourd. J'ai pas dit qu'avancer. Lecteur de vidéo. J'ai jamais mis son stéréo. C'est vraiment un son de merde. Pif. Pif. C'est la loi, c'est la loi. C'est la loi du truc, hein. C'est pas moi qui ai choisi de l'appeler Pif, mais bon. Au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? C'est pas moi qui choisis non plus. Voilà quoi. Oh, comment il est vite fait, ça se voit que ça va ça ici, hein. Nintendo 64 retiré du marché. Alors, développons. Ouais, on va voir si tu dis gros royalties, 14%. Tout ce sujet de simulation. Ouais, bouf. Allez, une petite suite. Petite cafasse, cuisine, total bordel, Final Fantasy X. Allez.
Allez, ce sera le dernier des fantaisies. Dernier. C'est comme ça, c'est le clavier qui a décidé. Fantasie. Ouah, c'est pour être faute. Sur PlayStation 2. Bref. Graphisme 3D V4. En mode texte. Du coup, là on va pas se chier, lecture vidéo, c'est une petite avancée bien sûr. Biden. Grand stand, on va pas se faire chier, hein. Je peux remettre la pression sur Dernière Fantasy. Donc, comme ça on clôture la série de la fantasy. Comme ça on peut se concentrer sur les aventures. Tu. Dialogue. On va mettre lui. Dizaine, on va mettre lui. Putain, ma guerre. On le garde pour la fin. Oui, j'ai prévu de sortir un bon jeu. Effectivement, monsieur. Ceci est une bonne solution à notre problème économique. 74e. Bon, normalement, on devrait finir premier à la fin, quand même. On va penser bientôt à faire le labo R&D. Le problème, c'est que j'ai jamais assez de points de recherche pour y aller. Et moi, j'adore avoir beaucoup de points de recherche, être au top niveau de mon moteur. Ça me saoule quand je suis en retard. J'espère que vous me comprenez. Son stéréo. Mec, y a pas de son. Bip. Alors, design. Toi. Graphisme. Toi. Tu vas dire. Voilà. Bosser. Pose ta main. Plus 4. Ça voit que ça bosse ici. 59 bugs. Allez. Bosser. Bosser plus. Pas des technocrates hein, dans mon équipe, hein. Ils sont plus, beaucoup plus axés sur le design. On va faire des... Ah, la Nintendo GS. La Nintendo GS, prometteuse pour renforcer sa position. Elle va apporter un vent nouveau sur le marché des consoles portables. Plus stagnant, la console sortira le mois prochain. Petit groupe de Sam utilise le truc Gollum. Bon, on va le céder, mec. Gollum, c'était quand même un moment, hein. C'est celui-là qui a sorti hein, le jeu numéro 12. La PPS. Ouais, ça nous a amené 8000 fans, quoi. Excellent. Comment ça, c'est un record? C'est absolument inacceptable. Encore des nouvelles recherches. Oh, j'en peux plus de refaire des nouvelles recherches. Genre. Allez. Oh, vous êtes bâtards. Hein. C'est des petits bâtards. Magnifique. Voilà. C'est ça qu'on veut comme note. C'est ça qu'on veut. Agréable. Oh, c'était pas mauvais. Bon, du coup, recherche mon original. On va être bon en recherche, là, ça va aller. Et toi, tu vas te faire une petite formation. Un technocrate. Design de jeu, design. Cours de programmation. R&D. Design. Ah, et c'est 30 points de recherche. Ok, bon, design, alors. C'est parti. Du coup, McGear, quand il va revenir, il va bosser. Va bosser, ma guerre. On va te faire un petit designer. Bon, c'est pas grave. On va te faire un cours de R&D. Continuation, voilà. Multigenre. Ça va, on sort pas mal.
nous le pognon. Allez, c'est bon, on va pas sortir le moteur le plus développé du monde. Oui, je sors beaucoup souvent de gros moteurs. C'est... Et... Bon, original, voilà. Bref, comme la dernière fois. Oh, on va appeler Piaf, celui-là. Pi, oh, c'est vraiment des problèmes de notes, hein. Faut vraiment être con, hein, pour faire ça, hein. Oui, donc... On va attendre d'avoir un beau taquet de formation et on va faire un petit boost. Non, je crois que c'est 5 heures de boost. Formé, on peut faire le boost. Spécialisation technologie, ça coûte 100 PDR. Moi, je vais faire le boost. Ah, il faut que c'est au niveau 5. Bon, on va booster lui alors. Ah, il faut qu'il ait 500 quelque part. Bon, mais c'est pas grave, hein. Qu'est-ce que je fasse, hein. Je fais un cours de R&D. Hein. Tu vas apprendre à rechercher. Des points de recherche, mes amis. Mes amis, nous sommes aujourd'hui ici pour travailler nos points de recherche. Il faut encore le former dans les points de recherche. Et lui aussi, formé dans les points de recherche. En espérant que vous sachiez rechercher plus tard dans votre vie. J'aime bien quand vous recherchez. J'aime bien quand les points de recherche y viennent. J'aime les points de recherche. Il faut que je travaille la vitesse aussi, c'est quoi ça? Allez, va en congé. Pas aller en congé, toi. Bon, du coup, ça sent pas terrible dernière fantasy. Bon, c'est pas grave. Tout le monde va aller en congé là, et juste quand ils vont revenir, on sortira un nouveau jeu. C'est bon, tout le monde est prêt, c'est parti. Développer une suite. Moi, je fais que des suites comme ça. Aventure. Ah non, non. RPG. Quoique. Non, non. Qu'est-ce que je fais? Allez, on développe la suite directe à Aventure alors. Ouais, c'est parti. Donc, aventure RPG. Voilà. Aventure. Isis Revenge. Donc, Aventure. Une idée? Vous avez une idée pour moi? Une aventure palpitante? C'est vraiment une idée de merde, hein, en espérant que je réfléchisse à l'avance pour le suivant. Bouboubou! Sortir sur la PlayStation 2 avec Pliaf! Le nouveau moteur de recherche de chez là où c'est les boss qui travaillent. Dreamvast a été retiré du marché. Ah, dommage! C'est bien cette console. Peut-être notre dernier jeu qu'on va sortir dans cette session. Après, on verra. Dans des mois, la Game Boy sera retirée du marché. Les types stratégies sont populaires en ce moment. Ça tombe bien, Jennifer. Je suis jamais modeste, moi, avec mes jeux. Mes jeux, c'est les meilleurs du monde. Un Robin. 15 d'un coup, Pauline Zobeck. Ça, c'est que ça bosse. Hein. Ça bosse, hein, dis-moi. Alors, dis-moi, donc dialogue, c'est plutôt du technologie. Ouais, design au niveau, mettre les merdes. Et l'autre, ça, c'est Erika Robinson. Bride and Love. On va mettre Oliver Ray. Bride and Love, il faut plus rien qu'il fasse, hein, il est trop fatigué. Allez, faut bosser, hein. Aujourd'hui, la PPS est sortie. La PSP, bon sang de bon bois. Sang de bois. Sang de bois, quoi. Allez, 529 000. Qui progresse. Laisse-moi cliquer. On va faire une petite campagne des familles. La grande campagne de marketing. Cette qui te fait booster. Design du monde.
ben on va être obligé de lui mettre Tom Référence. Mais Tom Référence, c'est un technocrate, pas un designer. Quoique Oliver Ray. Oui, Oliver Ray. On va mettre ça lui et on va mettre lui là. Voilà. Graphisme avec lui. Voilà, on va essayer de. Voilà. Voilà. Le son. Bande originale. Est-ce que aurais-je oublié de rajouter quelque chose? Et moi, il était retiré du marché. Est-ce que je suis pas en train de faire de la merde au niveau des trucs là? C'est bizarre ça d'habitude. J'étais allé plus haut la dernière fois, non? On verra au record. Bon, après, c'est bien avancé. En peu de temps, on a quand même au taquet avancé. En espérant que ça suffira. Je perds de l'argent, hein. C'est pas bon ça. Où est passé mon argent? Mon précieux argent. Précieux argent. Je vais passer en dessous de la barre des 10 millions, c'est pas cool ça. Ça m'enlève 300 000 par jour quand même le salaire. Encore 9 d'engouement. Bah ça va, finalement je fais un nouveau record. Bon, on va s'arrêter sur ce petit jeu. Tu veux jouer à mon petit jeu? Hein? Mini-jeu, économie virtuelle. Mais c'est pas possible, il y a trop de recherches! Mini-jeu, économie virtuelle. Ouais, bon. Non, bah c'est bon, arrête de pleurer. Arrête de chialer, connard. Ouais, une petite recherche. Non, pas une recherche, une spécialisation. En technologie. Allez. Tu peux le faire, me donner des bonnes notes. Je me donne des bonnes notes. 1008, mais avec tous les 10 que j'ai vus, c'est pas possible, quoi. Excusez-moi, mais je crois que vous êtes gourés, hein. 5 millions la spécialisation technologie. Pourquoi je regarde pas quand je clique? Pourquoi je regarde pas? Bah, boost des ventes, bouah. Mais en voilà 11 millions, qu'est-ce que t'as cru que j'allais faire faillite? J'espère que t'as pas cru ça devant ton écran. Est-ce que quelqu'un regardera cette vidéo un jour? Jusqu'à ce moment-là. Parce que regarder le début, c'est un tout. Regardez jusqu'à ce moment-là, c'est autre chose, hein. Page de gars finalement. Bon. Si tu regardes cette vidéo, ça veut dire que tu es le premier à regarder une de mes vidéos jusqu'à la fin. Alors, je vais te raconter comment ça se passe. Tu mets le j'aime. Tu ne dislikes pas, tu mets le like, tu t'abonnes, tu me suis sur les réseaux sociaux, enfin tu suis Cassoulet Gaming, je veux dire, sur Google+, réseau social le plus connu du monde. Bon allez, salut, à plus. Au revoir, à bientôt. I'm gonna go.